Nous disons à Ibobo, avec tout le monde, cap sur Chanel, posez-vous nous. Nous sommes avec nous, James Camille, qui vient porter à nous un petit coup d'œil sur l'histoire en tant que noir et en tant que haïtien. Il y a plusieurs côtés. Pour moi, il y a plusieurs côtés. Et pour moi, pour craser tout le système de mon pays. Premier côté, sous moi, pour craser mon pays, c'est l'attaque spiritualité. Et deuxième côté, pour craser mon pays, c'est le système éducationnel. La déstabilisation sociale. La déstabilisation économique, la déstabilisation politique. C'est tout ça qui entraîne la destruction d'un pays. Faut que nous cherchions l'identité nous en tant que noirs. Faut que nous connaissions qui est-ce que nous devons appartenir en tant que noirs, en tant que haïtiens. En tant que nègres qui a pu construire la pyramide des libertés. Après les États-Unis 1776. Haïti 1904. Nous sommes le premier peuple qui a pu construire la pyramide des libertés. Et c'est même la construction des pyramides des libertés qui a fait nous payer en tant que noir, en tant que haïtien. Nous jouons la spiritualité. Nous disons spiritualité, c'est le diable, son bagage qui est satanique. Nous avons un système éducationnel. Nous faisons un petit jour qui a été nègre, qui nous pas même connaît, qui pas même identité, qui pas même fier. Avec nous en tant que noirs. Les esclaves ont été mis ensemble. Les ont dit non avec l'esclavage. Ils ont dit oui. L'humanité est faite pour tout le monde vivre. Et pas pour sans raison que l'esclavage du bois produit sur la cérémonie des bois Kama, qui était présidée par Jacques Bassin en 1791. Après la cérémonie, ça, les gens disent oui à la liberté. Les gens disent qu'il faut que l'esclave entre dans l'église. Les gens disent pas de question que supériorité et infériorité. La question de supériorité, et c'est de ça que les jeunes, ils ont dit les pêches à loi qui vont dire que c'est pas éternel, même qui est créé pour l'esclavage. Après que Bartholomew a demandé avec l'Angleterre, avec la France, pour aller chercher les nègres sur le continent Kama, ou du moins Katsupa. Pour nous devenir chercher l'or dans le Sibao. Pour nous devenir travailler dans la plantation café. Pour nous devenir travailler dans la plantation canne, dans des usines de sucre. Au profit de la société dite occidentale et moderne. Et ces mêmes situations, ces mêmes ensemble de problématiques, d'aléatoires, qui vient lier, qui vient dépendamment avec nous, en tant que noir, en tant que haïtien. Regardez qui ça cap définir à travers le monde, à travers toute planète là. Sans question d'identité, sans question de pays, d'un gros souveraineté, pays d'un côté pour que vous l'allez dans notre région, vous l'allez trouver. Eh bien, je ne vous dis pas. Il m'a dit qu'on est attaché avec une région qui est propre à nous-mêmes en tant que noirs, en tant que pays. La région que nous devons attacher avec, c'est l'Afrique. C'est là que nous sortons en tant que noirs. Par la traite des noirs, par l'esclavage. Qui devient support, qui devient assistance de l'Église. Il est temps pour nous chercher l'identité. Il est temps pour nous reconnaître les grands intellectuels noirs. Léopold Sédar Senghor, qui a défini la négritude en 1935. Il a défini la négritude chez l'ensemble des volets culturels et spirituels des Noirs. Il est l'état pour nous attacher avec Chekenta Diop, qui dit que formez-vous, aimez-vous des sciences jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Il est temps de chercher une identité. Avec tout
Thomas Sankara qui a défini la négritude, qui a lutté, qui a transformé Wout Volta en Burkina Faso qui veut dire pays des nègres intègre et incorruptible. L'idée voulait l'attacher avec Nelson Mandela qui t'a boumé contre eux. Les lois de la ANC qui te fait 27 ans dans prison, qui te dit que faut pays la diriger, faut Afrique du Sud transformer. Voilà l'Afrique du Sud. Mais qui paye nous gagne, mais qui monte nous gagne. C'est des nègres qui transforment le monde, qui transforment l'humanité pour faire l'humanité blanc qu'on est que, et bien l'humanité est faite pour tout le monde vivre. L'humanité là, par question de discrimination, par question de la catégorisation, il faut que tout le monde vive tant pour nous sur cette planète là. Même gens que vous toujours suivre nous, toujours peut-être de tout ça nous dit. Eh bien, nous sommes toujours là pour nous porter des petits bouts de. Nous sommes toujours là pour nous porter ensemble des informations, ensemble des événements historiques, pour que vous compreniez, pour que vous compreniez l'identité. Pour que vous compreniez tête en tant que pays, en tant que nation. Il est temps pour nous comprendre que. Eh bien, je ne veux pas dire à Amérique du Sud. Si vous la Turquie, la République Dominicaine, c'est nous-mêmes qui débarrons au support. Même les États-Unis, c'est nous-mêmes qui débarrons au support. Pour que Boudica sorte dans l'esclavage. Boudica indépendant. Mais nous faisons complot, nous conjurons, nous mettons ensemble pour craser Haïti, pour détruire le pays. Nous mettons ensemble. Ils disent que nous ne sommes pas les gens. Ils animalisent nous. Ils disent que nous sommes gangs. Ils disent que c'est nous qui inventent les maladies. Ils disent que la nation est à trop l'aide. Mais ils ne reconnaissent pas en tant que Noirs qui sont en Afrique. Ils disent que les théologues, les grands archéologues définis, ils disent que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Et donc, l'humanité sort de l'Afrique. Il ne peut pas reconnaître ça. Même si que l'Afrique est une région où tu es venu un pays qui met la plus grande civilisation au monde, c'est la civilisation égyptienne. C'est eux-mêmes qui transforment le monde là, intellectuellement, scientifiquement. C'est que maintenant, nous allons venir ensemble des grands philosophes, ensemble des grands intellectuels avant Jésus-Christ. Pour Thalès, Pythagore, Socrate, tout le monde qui a cherché connaissance en que maintenant. Il est temps pour nous connaître l'identité, nous. Il est temps pour nous connaître l'appartenance sociale, l'appartenance religieuse, à quoi c'est l'autre.